L'histoire, l'histoire d'un comique, un grand comique, connu sur toute la place de Paris. Il donne spectacle tous les jours, enfin, tous les soirs. Et ce soir-là, il y a un grand psychologue qui fait partie du public. Il est venu lui aussi un petit peu se changer les idées et rire. Il voit un petit peu l'effet que ce comique est capable de faire sur toute son assistance. Il se dit, mais voilà quelque chose de magnifique. Je vais donc lui envoyer tous mes patients. Les patients, vous savez, ceux qui sont tristes, qui ont du mal à retrouver la joie. Ils se sentent tristes parce qu'ils sont sans tristes. Sans tristes. Ils sont auto-centrés. Mais c'est un autre sujet que nous allons aborder un petit peu plus tard. Il décide donc de les envoyer chez ce comique-là. Un jour, il est dans son cabinet, il reçoit un des patients. « Bonjour monsieur, installez-vous. » Et voilà qui lui dit, en fin de rendez-vous, « Je vous conseille d'aller à un magnifique spectacle qu'il y a en ce moment. Allez, c'est un grand comique, vous allez rire, ça va vous faire du bien. » Et là, le patient lui dit « Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Alors le psychologue lui dit mais pourquoi ? J'ai vraiment envoyé beaucoup de patients et ça se passe très 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 bien pour eux. Ils se changent les idées, ils pensent à autre chose. Vous devriez essayer. » Et là, le patient lui répond « Le problème, c'est que le comique, c'est moi. C'est moi. » Et en fait, justement, lorsque j'utilise ma pensée, lorsque j'utilise les mots qui expriment des émotions, je suis en train d'agir et de faire et de transmettre quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est notre histoire, toutes et tous. On est confronté à cette problématique-là. On peut ressentir quelque chose, on peut avoir quelque chose dans notre tête et puis faire complètement autre chose. On peut dire, mais ne pas penser ce qu'on est en train de dire. On peut penser à quelque chose, on peut vivre, on peut être dans un état émotionnel qui ne correspond pas du tout à ce que l'on envoie, à ce qu'on transmet, à ce que l'on envoie comme signaux émotionnel ou même intellectuel à ce qui nous entoure. Nous avons en fait en nous, c'est ce que le Tania nous dit, le Rabbi Shimon Zalman, trois vêtements. Ces trois vêtements, ce sont la pensée, la parole et l'action. Ils expriment ce que nous avons en nous. Ce sont des outils que Dieu utilise et que la Kabbalah appelle des levushim, comme des vêtements, qui sont là pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est à faire correspondre tout cela. C'est l'histoire de notre vie. Correspondre, faire correspondre la pensée, la parole, l'action, les émotions, l'intellect, tout ça, réellement. On va voir que l'intellect, il a ses émotions en lui. Pourquoi des émotions? Il a ses outils qui vont traduire ce qu'il peut comprendre intellectuellement en émotions. Et cette expression-là de l'intellect ou l'expression des sentiments n'est pas du tout la même. C'est deux codes différents, deux mondes différents. Essayez de vous souvenir quelle est la première chose qui vous a fait vivre quelque chose de très très fort, de très puissant, physiquement dans votre vie. Allez chercher très 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 loin. Je vous laisse chercher, mais je vous aide un petit peu. Lors de la naissance, l'enfant, la première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. D'ailleurs, c'est un signe de bonne santé. Il faut que l'enfant puisse pleurer. S'il pleure, c'est que tout va bien. Mais pourquoi? Parce que quand l'enfant pleure, il est en train de montrer ce qu'il exprime. Il est en train d'extérioriser une souffrance, une douleur qu'il a en lui. Cette souffrance, c'est la base même. C'est l'expression de ce qu'il est. Quand on est capable d'exprimer ce que nous ressentons en nous, c'est déjà le début du début. Il faut réussir à ressentir quelque chose et il faut aussi être capable d'utiliser tous les moyens qui sont à notre portée pour les exprimer. Un homme, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de communiquer. Il a besoin des autres. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le monde a été comme ça. Dieu nous a créés dans une société où nous devons communiquer. D'ailleurs, il suffit de voir ce que les publicistes investissent et toutes les sociétés investissent pour qu'on puisse communiquer. C'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, savoir utiliser les moyens qui nous ont été offerts pour communiquer et transmettre de la sainteté, de l'étude à Hachem. Nous l'avons étudié dans notre épisode précédent. L'âme est donc séparée de manière centrale par l'intellect et par les émotions. C'est-à-dire que l'âme de chacune et chacun d'entre nous, elle est remplie, elle déborde de notions intellectuelles, elle déborde de toutes sortes, de toutes formes de ressentis. La question c'est comment est-ce qu'on est capable d'exprimer cela en nous et comment on est capable de l'extérioriser. Il y a deux façons de s'exprimer. Il y a l'expression extérieure et l'expression intérieure. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi? Quelles sont mes sensations intérieures? Comment est-ce que cela s'exprime en moi, c'est-à-dire entre moi-même, en moi? Et quelle est l'expression et comment ça se visualise, se transmet pour les autres? On va commencer par l'extérieur. Si j'ai un sentiment qui est très très fort, très puissant de joie, alors
comment est-ce que je vais exprimer cette joie-là? Il y a différentes façons de le faire. Je vais chanter, je vais danser, je vais être actif, je vais bouger dans tous les sens, je vais rire, je vais avoir un visage rayonnant. Je vais le dire, je vais le prononcer, je vais l'écrire, je vais le chanter, je vais donner, je vais m'associer à d'autres, je vais prendre les autres dans ma joie, je vais les associer à moi. J'ai besoin de l'exprimer, cette joie-là. Et puis, il y a l'exemple inverse. Si par exemple, une personne reçoit et ressent une profonde tristesse ou une douleur, comment est-ce qu'on va exprimer cette douleur, cette souffrance? Eh bien, ça va être l'inverse de la joie. Ça va être des larmes, ça va être des pleurs, ce qu'on souhaite à personne. Ça va être un manque d'action, ça va être un côté négatif, ça va être une non-action, ça va être juste de rester renfermé. Parfois, ça peut être un cri, parfois, ça va être un silence. Parfois, ça va être l'expression avec des mots, parfois pas du tout. Parfois, ça va être justement un enfermement sur soi. Ce sont donc là les moyens d'expression, les outils qui sont à notre portée pour exprimer des sentiments, des émotions. Si maintenant on s'attache à cette notion qu'est les moyens d'expression qui sont ceux de l'intellect, comment est-ce qu'on peut exprimer une notion intellectuelle que nous avons compris dans notre cerveau pour quelqu'un d'autre? Comment l'extérioriser? Comment on peut associer d'autres personnes? Eh bien, lorsqu'on sera capable de prendre un stylo, prendre une feuille de papier, ou lorsqu'on sera capable d'être capable de noter, de transmettre avec des mots, avec des moyens d'expression, sous forme, mais ça peut être sous n'importe quelle forme, ça peut être avec un texte, avec des mots, ça peut être à travers une œuvre, ça peut être un beau dessin, une belle peinture, on va exprimer quelque chose que nous ressentons. Et là, encore une fois, chose que nous avons compris, lorsque l'on va utiliser ces moyens d'expression extérieurs ou intérieurs que nous avons en nous, on va réussir à utiliser par exemple la parole, par exemple l'action, à faire passer ce qui se passe dans notre intellect ou ce qui se passe dans nos émotions. On concrétise tout cela. Souvent, il y a une sensation en nous qui est enfouie et qui n'est pas définie. Parfois, ça peut être de la joie, ça peut être une souffrance. Et parfois, on n'en est même pas conscient. Il y a quelque chose de caché en nous, qui ne sort pas. On n'est même pas capable de la décrire. On est dans cet état-là émotionnel où on ne sait pas vraiment. Même intellectuellement, on ne sait pas vraiment où on se situe. Souvent, le problème de l'homme, c'est ce que nous appelons aussi le safek, le doute. C'est ce qui est totalement négatif d'ailleurs, à proscrire. Le safek, c'est quand l'homme il est dans ce no man's land. Il ne sait pas où il habite quelque part. Il ne sait pas ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est dans un sentiment de joie, de peine? Il ne sait pas pourquoi il doit être joyeux. Il ne sait pas pourquoi il est un peu triste. Il oublie, et souvent, malheureusement, l'homme va vers l'inverse de la joie, c'est comme ça, c'est la nature. Lorsque l'on va prendre conscience de ces dérives de la nature de l'homme, eh bien, on va en prendre la conduite, et on sera capable de s'amener intellectuellement ou émotionnellement là où on devrait, là où il faut aller. Tout vient de la pensée, il faut savoir, puisque c'est elle qui va faire naître tout ce qui va se passer après. La pensée génère la parole qui génère l'action, et en effet, ce qui va générer les émotions du cœur. Tout d'abord, parlons de l'expression même de l'intellect. La pensée, c'est le moyen d'expression intellectuelle ou du sentiment. C'est ce qui permet à l'homme, par exemple, bien d'avoir une vision, d'avoir un avis, d'avoir une capacité de compréhension, de conscience. Un homme qui a une idée intellectuelle, il y a dans ce potentiel-là de compréhension et d'approfondissement, de saisissement. Cette pensée va initier tout ce qui va se passer dans ce processus intellectuel, et cette pensée-là, elle va organiser tous ces potentiels, les potentiels qu'il y a dans l'intellect, et permettre tout un processus qui va se mettre en route pour générer et pour donner un mouvement, et pour créer donc des conséquences. D'un autre côté, nous avons l'expression des sentiments. La pensée, elle va faire monter les sentiments dans une réelle conscience. Elle va permettre à l'homme de reconnaître ce qui se passe, d'en faire connaissance, et puis aussi de vivre avec. Par exemple, un homme qui se lève tous les matins depuis pas mal de temps avec une souffrance, avec un mal-être intérieur, qui n'exprime pas, qui est au fond de lui. Et parfois, il n'en est même pas conscient. Si il s'arrête quelques minutes et commence à penser à cette souffrance-là, et qu'il essaye d'extérioriser, même sans en parler à quelqu'un d'autre, mais ça veut dire qu'intérieurement, il détaille tout cela. La pensée va envoyer une information au cœur et va lui dire, voilà,
Est-ce que cela vaut la peine d'être triste? Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que c'est voulu ou est-ce que ce n'est pas voulu? Est-ce que je subis ou est-ce que je suis maître à bord? En conclusion, l'homme a, en effet, ces trois outils, ces trois moyens d'expression qui sont appelés ces vêtements-là, la pensée, la parole et l'action, qui sont là pour justement permettre à l'homme, eh bien, et de réfléchir comme il faut, et de ressentir comme il faut. Et donc de se comporter comme il faut. Dans la Kabbalah, ces vêtements-là sont appelés des vêtements, ces sentiments-là, ou ces intellects, ces outils-là de l'intellect et des émotions, sont appelés des vêtements. Les levushim. Pourquoi les levushim? Vous savez, dans les levushim, dans les habits, il y a deux côtés. Il y a déjà les habits qu'on est capable de mettre pour envoyer un signal, et il y a, c'est-à-dire un signal social, une appartenance sociale. Et il y a aussi l'habit, ce qu'il a de plus simple. L'habit est là pour couvrir, pour nous permettre d'avoir chaud quand il fait froid, etc. C'est justement la capacité que nous avons à travers ces vêtements de la pensée, de la parole et d'action d'exprimer ce que nous sommes réellement. Cela nous protège et en même temps ça nous permet d'être transparent, mais pas vraiment. C'est ce qui nous permet de nous exprimer. Et pourquoi c'est important? Vous savez, si on pose une question à l'intellect, on lui dit, voilà, dis-moi, est-ce que tu es capable de comprendre cela? Que 1 plus 1, ça fait 3. L'intellect veut dire, non, c'est pas logique. 1 plus 1, ça peut pas faire 3. Maintenant, un homme qui décide de prendre un crayon et de l'écrire sur une feuille et de dire, voilà, 1 plus 1, ça fait 3. Un homme qui décide de le dire, un homme qui décide de penser, 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce que cet homme-là va pouvoir comprendre que 1 plus 1, ça fait 3? Non. Il peut s'en convaincre, il peut décider de l'écrire, il peut décider de le dire, mais il ne pourra pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ça n'est pas logique. 1 plus 1, ça ne fait pas 3. 1 plus 1, ça fait combien? Eh bien, ça fait 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les moyens d'expression que l'homme peut avoir, c'est-à-dire ces vêtements-là, ne font pas partie de l'intellect ou du sentiment. Ils sont là pour exprimer ce qui se passe dans l'intellect et dans le sentiment. Parfois, ces moyens d'expression peuvent envoyer des signaux et des informations qui sont contraires à ce qui se passe à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous l'avons dit initialement. L'homme peut faire complètement l'inverse de ce à quoi il pense. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre ici que ce que nous faisons ne définit pas spécialement et toujours ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on est, chacune et chacun d'entre nous? On est une parcelle divine. Parfois, nos moyens d'expression, nos vêtements, on les choisit pas bien. Parfois, on ne fait pas ce qu'il faut. Parfois, on ne dit pas ce qu'il faut. Parfois, on ne pense pas à ce que nous devons penser vraiment. On pense mal. Ça ne veut pas dire que l'intérieur, ce qui est profond autour de nous, dans nous, pardon, et ce qui va donner le signal à l'extérieur, lui, n'est pas quelque chose d'infini. C'est cette parcelle divine qui est en nous, elle qui ne changera jamais en réalité. Celle qui nous attache, au Saint béni soit-il. Ce que nous allons voir, Ezrat Hashem avec l'aide d'Hashem dans les épisodes qui vont suivre, comment réussir à reprendre le contrôle de ces différents vêtements, de ces différents moyens d'expression, de ces outils que l'âme a, la pensée, la parole et puis l'action. Voilà, à très bientôt.